شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est parti récupérer des dons que l'association Humanitaire a collectés grâce à une cagnotte. Donc, ils nous ont acheté des pinceaux, de l'acrylique pour faire des peintures, plein de cahiers, mais également des ardoises pour que les enfants puissent dessiner dessus. Voilà. Vas-y, 31, vas-y. Enfin, de la fin, on fera tout ce qui est question parce que vous allez sûrement avoir des questions sur ce qu'on aura dit. Vous allez casser les trucs et tout, c'est sûr, et vous allez vous fatiguer le dos et tout. Ou alors, deuxième solution. Arrête. Quoi? Ouais, c'est l'enchaîné, t'as la collecte. Ouais, Alors, nous avons déjà des problèmes. Ouais, Camille, là, c'est n'importe quoi. Camille, elle a perdu sa carte d'embarquement. Le fils, chapeau de paille. On ne sait pas ce qu'il a perdu, mais il a perdu un truc. Il a perdu sa valise. Alors, bah courez. Le vol, il s'est bien passé, même si Andrea elle a eu un peu peur, des fois ça va, il n'y a pas eu de turbulence de fou. Et là, il fait archi beau, il fait archi chaud, il y a du vent, il y a une bonne brise, tout va bien. Et le car est incroyable aussi. On peut même charger là sur le mur, je sais pas si tu en montres après, mais c'est climatisé tout ça.
étrangers, regardez. Des gros bras. Chercher les jouets, ils étaient à Tiki Win, ici c'est là où il y a toute la, tous les cars qui viennent de Paris. Et là on arrive, on va prendre un petit déj ultra important, et après le petit déj on va aller visiter l'orphelinat, faire les courses pour l'orphelinat, jouer avec les enfants, et du coup on va vous tenir au courant tout au long de la journée. جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء. Bonjour toute l'équipe. Là on vient d'arriver juste à côté de l'orphelinat. Il est juste là avec toute l'équipe. Ça fait peut-être 4-3 mois qu'on est sur le projet et du coup on appréhende à fond la rencontre avec les enfants. Et on va essayer de vous partager tout ça. Du coup là c'est un peu le moment émotion, parce qu'on se pose plein de questions, on ne sait pas comment ça va se dérouler. Là on voit que le cadre est assez bien, qu'on aura de la place pour jouer avec les enfants. Du coup on va faire au mieux pour vous partager ce moment là avec nous. J'ai pleuré deux fois en l'espace de 10 minutes. Du coup là on vient de faire le tour de l'orphelinat, on a eu la présentation par la gérante de l'orphelinat, du coup on a fait tous les âges, c'est-à-dire que ça part des nourrissons aux moyens, aux grands, et ensuite on a visité les personnes handicapées qui sont séparées entre filles et garçons parce qu'ils atteignent un grand âge. Et c'était chargé en émotions. Si je devais parler de mon ressenti, on a été touché par les enfants. Ils viennent vers nous naturellement. Quand on les prend dans nos bras et qu'on les redépose, y a quelque chose qui se passe et qui fait que nous on ressent directement on est touché. Tu réalises que voilà, il n'y a pas forcément tout, qu'ils n'ont pas forcément accès à tout, et que ça n'a pas dû être facile. Et du coup, on est là, on va essayer de les aider. On va essayer de. Il ne faut pas montrer qu'on est touché. Et puis voilà, il y a du courage, et les gens qui travaillent ici dans cette structure, ils essaient de faire les choses bien, tout ça se ressent. Et ils ont beaucoup de force. Et moi, je tenais à dire que les femmes qui travaillent ici, les hommes, tous les gens qui les aident, même au niveau des handicapés et tout, c'était beau à voir. Voilà, c'était mon ressenti de l'action d'aujourd'hui. Du coup, on s'est remis un peu de nos émotions, on est parti manger. Et là, on a la mission qui nous incombe. Du coup, on est parti faire un peu de change d'argent. Et on se retrouve à Soixelem. C'est un hypermarché où on va trouver tout ce qu'il faut pour pouvoir faire un don à l'orphelinat. On va essayer d'acheter tout ce qui est en termes de nourriture, en termes de couches, en termes de tout ce dont ils ont besoin pour leur distribuer. De toute façon, vous verrez au fil de l'action. Merci. Ouais, attends. Moi, je sais pas.
Ouais. Là au Maroc, on secoue bien comme il faut et ensuite on vient avec les dents, on va faire une ouverture juste en bas. Mais non, les gars, il faut juste ouvrir un peu comme ça. Et... Sacrilège. Non, sacrilège. Ça c'est pas le bruit. Ça, sacrilège. Et tu vois comme ça. À italien. C'est là. Et voilà, bon appétit. Voilà, la journée touche à son terme, en tout cas la journée en termes d'action. On n'a pas pu profiter des enfants et repartir à l'orphelinat, les courses ont pris trop de temps. Du coup, on est un peu déçu, on est un peu triste, mais on a hâte d'être à demain, parce que demain, on va leur préparer une journée avec des repas, des activités, et on essaiera de profiter un maximum. Et on va essayer de se remettre de nos émotions pour leur partager un maximum de bonheur. Coucou la team My Maraud. Alors aujourd'hui, on est mardi 3 mai. Vous allez me suivre. On va passer une journée à l'orphelinat avec les enfants. Vous allez voir, on va vous réserver de super trucs. Vraiment, soyez prêts pour l'ascenseur émotionnel parce qu'il y aura du rire, il y aura des larmes et il y aura plein de choses. On a improvisé une petite maraude parce qu'en fait dans le souk où on a été, on a trouvé énormément d'enfants, des enfants qui sont dans la précarité. Et du coup là, on avait des gâteaux, on avait des petits jus et des petites sucettes et on va leur distribuer et je pense qu'ils vont être hyper contents. On va récompenser ces petites mains parce que vraiment sans eux, les charges seraient trop lourdes. Alors du coup on vient d'arriver à l'orphelinat, donc après le petit tour au marché où on achetait plein de bons fruits pour eux, là nous allons y aller et faire des activités avec les enfants et surtout on va leur préparer un super repas. Soutien à toutes les personnes qui travaillent dans le milieu hospitalier et le milieu médical. Voilà, ça vous prend ensemble. Ouais. Je la retourne.
dreams I make my way to Medina, the home and chosen place of our beloved prophet, where all I feel is peace and so much joy around. No better place for me. Yeah, Medina, Medina, Medina to Nabi, Medina, Medina, that's where I wanna be. Medina, Medina, Medina to Nabi, Medina, Medina, that's where I wanna be. Oh. Après la petite fête qu'on vient de faire avec les enfants, et j'en suis sûre que vous avez autant kiffé que nous, et bien là, place à la distribution de dents qu'on leur a apporté. Et je pense qu'ils vont être très 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 contents de ce geste. C'est grâce à vous. N'oubliez pas, nous on est là sur place, mais vous êtes tous avec nous. Et merci, merci, merci encore à tous les donateurs. Oh, Medina, Medina. Oh, oh, Medina, Medina. I wake with the morning light in Medina. Everywhere I see blue skies, sit above these mountains, bright colors fill the streets, a smile on every face, a special. Il y avait un petit problème technique, mais je crois que ça c'est l'œil des gens qui sont partis au Sénégal. Medina, Medina to Nabi, Medina, Medina, that's where I wanna be, Medina. Medina, Medina. Vas-y, mets la chaise là-bas. Sylvia, mets la chaise verte sur la chaise bleue. Voilà. Anès, il y a des cartons en dessous de la table. Ouais. Moi aussi, je vais donner à mes chiens. Qu'est-ce que c'est pour mes chiens? Je devais vous donner mon ressenti puisque vous m'avez suivi toute la journée, mais malheureusement, et heureusement pour les enfants d'ici, mais malheureusement pour vous, on a passé une excellente journée. On a profité des moments à 200% et en fait on a complètement oublié le téléphone parce qu'on était dans l'émotion, la pure émotion, c'est-à-dire qu'on vivait vraiment l'instant. Et du coup c'était pour la bonne cause, mais aujourd'hui je vais vous donner un petit peu mon ressenti. Donc hier en fait la journée a un petit peu mal commencé parce qu'il y avait des petits problèmes de compréhension, mais qui n'étaient pas énormes. Mais tout s'est bien passé par la suite, les enfants étaient très contents. Ce qui est dommage dans les pays comme ça, c'est qu'on se retrouve dans des orphelinats en fait, qui sont beaucoup médiatisés et du coup qui reçoivent énormément de dons. Et nous, en tout cas moi personnellement, je n'ai pas ressenti en fait ce côté humain de se dire qu'on apporte quelque chose réellement. C'est-à-dire qu'on avait un petit peu l'impression d'être dans une chaîne à usine, mais au-delà de ça, hors contexte, d'adultes, les enfants c'était un pur kiff et je pense que les enfants ont vraiment aimé. On leur apportait tout ce qu'on pouvait, c'est-à-dire notre énergie, des bonnes choses à manger, une fête. Je pense qu'ils n'ont pas l'habitude de faire la fête ici et je pense que rien que ce petit moment-là, ben, il restera gravé dans nos cœurs et dans leur cœur. Donc encore merci à tous, merci, merci, merci. On n'oublie personne, les bénévoles de loin, de près. On voulait remercier également tous les bénévoles qui ont pu faire des collectes parce qu'en fait c'est ceux qui sont dans l'ombre, qui ne sont pas présents aujourd'hui, mais qui sont présents avec nous. Je vous dis à très bientôt et puis on se donne rendez-vous à Essaouira.
فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا عينين ضي أنت عند الحاضر أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يرتوي بالحب قلبي حب خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيع. Aujourd'hui, on est le 5 mai 2023 et on va aller pour la première fois à l'association El Yatim à Essaouira pour rencontrer du coup des enfants en situation de précarité. Et là, on va commencer la journée avec une petite réunion avec la directrice. Ensuite, je pense qu'on va faire quelques activités avec les enfants et après, on va aller faire les courses pour pouvoir les distribuer aux enfants. T'as écouté ? C'était quoi déjà son... Mon expérience comptable et aussi je vais à l'école. Et moi je fais partie du pôle d'enfance de l'association Maïma Road avec. Alors j'aimerais bien, vous allez voir les enfants familles, les enfants. Alors là, on vient de faire la petite réunion avec la directrice de l'association et là, on va aller voir directement les enfants qui sont en situation de précarité. C'est souvent des orphelins apparemment, de ce qu'elle nous a dit. Et on va du coup faire des activités avec eux. On va pas venir voir parce que ça va de. Enfin, il y a des enfants, des petits-enfants, il y a des enfants de notre âge d'ailleurs. Et voilà, on va aller voir ça. تسمعنا وترانا الله الله إنا نرجوك الغفران أصلحنا ويانا واغفر خطايانا الله الله واجعل في الجنة مثوانا. Ici en gros c'est l'atelier chamboule. En gros les enfants ils ont trois chances pour faire tomber du coup du type en mousse. Et s'ils arrivent à en faire tomber au moins 4, ils gagnent soit un petit bon bout, soit un petit jeu. Et ils peuvent jouer autant de fois qu'ils veulent, juste comme les livres. Non, là c'est simple, c'est vachement. Zidna imana. Bonjour Monsieur Souleymane. Bonjour Madame Asma. Comment qu'avez-vous pensé de cette journée? Alors cette journée, franchement, je l'ai beaucoup appréciée. Franchement, c'était grave bien. On a fait plein d'activités. On s'est bien amusé avec les petits. Je me suis fait plein de copains. Super.
plein de copains. Et voilà, hein, franchement, là, on est en train de ranger. Tout à l'heure, on va aller préparer la salle pour la fête de demain, Inch'Allah. Et sinon, en vrai, il y a eu une mauvaise... On est un peu déçus parce qu'il y avait une mauvaise communication au niveau des locaux déjà, au niveau de plein de trucs. Du coup, on n'avait pas prévu assez d'activités, même assez de dons, de jouets et même de parapharmacie. Ouais, parce que c'est ça, parce qu'on nous avait dit qu'il n'y avait pas de stockage. Du coup, on avait jugé que c'était pas très utile. Et on avait moins prévu le coup pour les familles. Et du coup, c'est ça qui est un peu triste, mais on s'est bien amusé quand même. Ils sont super cool. Super. Alors, je viens de me rendre compte qu'on n'entend vraiment rien. Donc, Souleymane était en train d'expliquer qu'on a été très rapide à faire les courses, mais qu'il y a un petit problème, c'est qu'on a peut-être pas assez de place dans le camion. Quand... يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رب